Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice numéro 3 de l'épreuve nationale 2019, session rattrapage, pour la filière sciences économie. Tout d'abord, nous allons lire l'exercice et puis après, on va répondre à les questions une par une. Restez avec nous. Merci. Alors, l'exercice numéro 3 avec 11 points et demi. On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert de deux côtés par f de x est égal à 1 moins ln de x, le tout facteur de ln de x, avec sa courbe CF représentative dans un repère orthonormé. Alors la première question, on nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers 1,0 avec x supérieur à 0 de la fonction f de x, puis donner une interprétation géométrique au résultat. Deuxièmement, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. On admet que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x le tout carré sur x est égal à 0. Donc cette limite-là, on aura besoin dans notre calcul. On nous demande ici de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, puis donner une interprétation géométrique au résultat. On montre que pour tout x de 0 plus l'infini, on a la fonction dérivée donnée comme suite. Puis, pour le 3b, montrons que f est croissante sur l'intervalle 0 racine de e et qu'elle est décroissante sur l'intervalle racine de e plus l'infini. On va calculer l'image de racine de e par la fonction f et puis nous allons dresser le tableau de variation de la fonction f. On va résoudre l'équation f de x égale à 0 et on va déduire les coordonnées des points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Puis, on va donner l'équation de la tangente à la courbe au point x0 égale à 1. On va montrer ici, on a la fonction dérivée seconde, f seconde de x égale à 1 sur x au carré, facteur de n de x moins 3. On va montrer que le point donné ici, de coordonnées A, l'exponentielle de 3 sur 2, moins 3 sur 4, est un point d'inflexion de CF. Et puis, nous avons une figure où elle est représentée la fonction F, donc c'est la courbe, elle est donnée comme ici. Et puis, on nous donne une fonction grand F qui est définie par grand F de x égale à moins x ln de x le tout carré, plus 3x ln de x moins 3x. On va montrer que grand F est une primitive de petit f, et puis à partir de la courbe, donc, on va donner les variations de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici, on va déterminer les variations de la fonction grand f à partir du graphe, et pas de la petite f de x. C'est bon? Donc ici, il faut faire la différence entre petit f de x, que sa courbe, c'est celle-ci, et grand f de x qu'on nous a donné son expression. On va montrer que c'est une primitive de la fonction petit f. Et dernièrement, on va calculer l'aire de la partie assurée. Alors on commence. Donc, on considère la fonction f de x 1 moins ln de x, facteur de ln de x. On va calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus. Et puis, on interprète le résultat géométriquement. Alors, pour le calcul de la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, donc on a ici 1 moins ln de x facteur de ln de x. On sait que la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, ce n'est rien d'autre que moins l'infini. Multiplions-la par le signe moins, on trouve plus l'infini. Maintenant, en lui ajoutant le 1, ça reste toujours plus l'infini. Par propriété de limite, moins l'infini fois plus l'infini, on a ici une multiplication, donc ça nous reste moins l'infini. Alors maintenant, pour l'interprétation géométrique, on a trouvé que la limite lorsque x tend vers 0 avec x supérieur c'est moins 0 de f de x est égal à moins l'infini, alors on déduit que la courbe admet une asymptote qui est verticale d'équation x égale à 0. Maintenant, calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini.
Donc 1 moins n de x facteur de n de x. De même, on a n de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Multiplions par le signe moins, c'est moins l'infini. Ajoutons le 1, ça reste toujours le moins l'infini. Plus l'infini avec moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. On va calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ici, on va développer. Donc 1 moins n de x facteur de n de x, on trouve que c'est égal à ln de x moins ln carré de x. En utilisant propriété des fractions, ln de x sur x moins ln carré de x sur x. Donc, on va calculer la première limite avec la deuxième limite. D'après les données, on nous a donné que ln carré de x sur x est égal à 0. Par cours, donc, on a limite de x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Alors, finalement, on trouve que f de x sur x, sa limite, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Alors ici, comme interprétation géométrique, on a trouvé que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Quand on a calculé la limite de f de x sur x est égale à 0, donc on va dire que la courbe CF admet au voisinage de plus l'infini une branche qui est parabolique de direction l'axe des abscisses. Alors maintenant, on va montrer l'expression de la fonction dérivée, f' de x. Alors on a f, c'est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini par a moins ln de x, le tout facteur de ln de x. C'est une fonction qui est dérivable sur le même intervalle. Alors on peut calculer sa dérivée. On a ici a moins ln de x, ln de x. On va le développer. On trouve que c'est égal à ln de x moins ln carré de x. On va calculer la dérivée. Donc ici on a la dérivée de ln de x, ici on a la dérivée de ln carré de x. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes, comme par exemple le produit de deux fonctions. Alors ici, on a la propriété de... Alors ici, on a la propriété de la dérivée de puissance. On a u à la puissance n', ce n'est rien d'autre que n u' facteur de u à la puissance n moins 1. Avec la dérivée de ln de x, c'est égal à 1 sur x, alors on trouve notre résultat, tel que la dérivée de ln de x toujours c'est 1 sur x, donc on factorise par 1 sur x, et on obtient 1 moins 2 ln de x, d'où le résultat demandé. Alors maintenant on va étudier les variations de la fonction f. On a, d'après la question précédente, on a f' de x est égal à 1 sur x facteur de 1 moins de ln de x. Alors le signe de f' de x, ce n'est rien d'autre que celui de 1 moins 2 ln de x. Parce que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc 1 sur x, c'est une valeur qui est positive. Alors on va résoudre tout d'abord l'équation égale à 0. Donc on trouve ln de x égale à 1 sur 2, d'où x est égal à l'exponentielle de 1 sur 2. On a l'exponentielle de 1 sur 2, ce n'est rien d'autre que racine de e. Par propriété de puissance, a à la puissance 1 sur 2, ce n'est rien d'autre que racine de a. Avec le a, il est positif. Donc maintenant, a moins 2 ln de x est négatif, si et seulement si, toujours, on trouve que le x est supérieur à racine de e. Maintenant, 1 moins 2 ln de x est positif, si et seulement si, toujours, on a le x est inférieur à racine de e. Alors ici, 1 moins ln de x est négatif, c'est-à-dire que notre f' est négatif si le x est supérieur à racine de e. On le met dans le tableau. De même, on a trouvé que 1 moins 2 ln de x est négatif si il appartient à l'intervalle racine de e plus l'infini, d'où le signe de f' de x. Alors maintenant, on a, d'après le signe, f' de x est positif sur l'intervalle racine de, sur l'intervalle 0 racine de e, d'où la fonction, elle est croissante sur cet intervalle. Et puis on a trouvé sur l'autre intervalle racine de e plus l'infini que notre fonction f' de x, elle est négative, alors la fonction, elle est décroissante. D'où la réponse à cette question. Maintenant, on nous demande de calculer
l'image de racine de E, puis dresser le tableau de variation. Dans la question précédente, on nous a demandé seulement de voir ou de vérifier les variations de la fonction f. Maintenant, on nous demande de dresser le tableau de variation. Alors, calculons tout d'abord l'image de racine de E par la fonction f, en remplaçant le x par racine de E. On a ici ln de racine de E, ce n'est rien d'autre que ln de E à la puissance 1 sur 2. En appliquant la propriété de ln, ln de A à la puissance n, ce n'est rien d'autre que n ln de A, avec ln de E est égal à 1. Donc on trouve finalement 1 sur 2. Maintenant, en remplaçant dans la formule de f de racine de E, on trouve 1 moins 1 sur 2, facteur de 1 sur 2, qui est égal à 1 sur 4. Maintenant, pour le tableau de variation, donc on sait que la fonction est croissante sur l'intervalle 0 racine de E, décroissante sur l'intervalle racine de E plus l'infini, donc on le met dans un tableau avec la limite lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini, l'image de racine de E, c'est 1 sur 4, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Et on trouve le tableau de variation. Alors maintenant, on nous demande de résoudre l'équation f de x égale à 0, puis déduire les coordonnées des points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Alors f de x égale à 0, on va résoudre cette équation. On remplace l'expression de f de x, donc c'est 1 moins n de x de tout facteur de n de x. Comme vous le remarquez ici, c'est un produit entre deux facteurs qui est nul, donc forcément l'un des deux est nul. Alors, a moins ln de x égale à 0 ou ln de x égale à 0. Ln de x égale à 1 ou x égale à l'exponentielle de 0. C'est-à-dire que ici, on peut passer directement de ln de x égale à 0, x égale à 1, et ln de x égale à 1 si le x égale à e. Alors, notre équation f de x égale à 0 admet deux solutions qui sont x égale à e et x égale à 1. Maintenant, pour les coordonnées des points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses, ce ne sont que les solutions de l'équation f de x égale à 0. Donc, c'est simplement les deux points E0, 1, 0. Alors maintenant, on va donner l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse x0 égale à 1. Tout d'abord, on a l'expression de la tangente donnée par y égale à f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Une équation de la tangente, donc ici le point est égal à 1, on va remplacer le x0 par 1. Et on trouve y égale à f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. En calculant f' de 1 par son expression et l'image de 1 par la fonction f dans son expression, on trouve que c'est égal à 0. En remplaçant, on trouve que y égale à x moins 1, c'est une équation de la tangente au point x0 égale à 1. Alors maintenant, on va calculer la dérivée seconde. On a l'expression de f' de x, comme vous l'avez remarqué, donc c'est une fonction qui est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, pour la dérivée seconde, ce n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction f' de x. En appliquant ici la propriété des produits, donc avec le u, c'est 1 sur x, le v, c'est 1 moins 2 ln de x. Alors, on a la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1 sur x au carré. Puis la dérivée de 1 moins 2 ln de x, c'est 2 sur x. Avec la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors, on trouve, par factorisation de 1 sur x au carré, moins 1 plus 2 ln de x moins 2. En calcul, on trouve le 2 ln de x moins 3 facteur de 1 sur x au carré. D'où le résultat demandé. Alors maintenant, on veut montrer que le point A de coordonnées exponentielle 3 sur 2 moins 3 sur 4 est un point d'inflexion. Alors tout d'abord,
un point d'inflexion, c'est là où la fonction f seconde s'annule et change de signe. Donc, pour vérifier que notre point A de ce coordonnée est un point d'inflexion, donc il faut voir est-ce que f seconde s'annule en l'exponentielle 3 sur 2 et que l'image par la fonction f est égale à moins 3 sur 4. Alors tout d'abord, on va vérifier si f seconde s'annule et change de signe en exponentielle 3 sur 2. Donc, on va calculer l'image de l'exponentielle 3 sur 2 par la fonction f seconde, déjà calculée. On remplace par 3 sur 2, attention ici pour ne pas faire d'erreur dans l'écriture. Donc ici, on a l'exponentielle 3 sur 2, le tout au carré. Parce qu'ici, le x, on a remplacé par l'exponentielle 3 sur 2. Alors, on a ici l'exponentielle 3 sur 2, le tout au carré, en appliquant la propriété de la puissance, ce n'est rien d'autre que 3 sur 2 fois 2, qui est l'exponentielle de 3. Et, en utilisant la propriété de ln, avec le a, c'est une valeur qui est positive, strictement, alors on trouve ln de a à la puissance n, ce n'est rien d'autre que n ln de a, avec ln de e est égal à 1, alors on trouve le 2 ln de l'exponentielle 3 sur 2, dans cette expression-là, est égal à 3. D'où on obtient que l'image de E à la puissance 3 sur 2 par la fonction f seconde est égale à 0. Parce qu'ici on a trouvé 3, donc le 3 moins 3 est égal à 0. Alors maintenant, on va voir si le f seconde change de signe en exponentielle 3 sur 2. Alors, comme vous remarquez ici, l'expression de f seconde, ce n'est rien d'autre que 1 sur x au carré facteur de 2 ln de x moins 3. Alors, 1 sur x au carré, c'est une valeur qui est positive. Alors, il nous reste seulement à déterminer le signe de 2 ln de x moins 3. Donc, cette expression, elle est négative si et seulement si x est inférieur à l'exponentielle 3 sur 2. De même, elle est positive si x est supérieur à 3 sur 2. Donc, on regroupe les résultats dans un tableau de signes, comme vous le voyez ici. Alors, on peut déduire que le f seconde, comme vous le voyez ici, change de signe et s'annule en l'exponentielle 3 sur 2. Donc, on peut affirmer ici qu'il existe un point d'inflexion. Maintenant, pour le déterminer, donc on va calculer l'image par la fonction f. On trouve que c'est égal à moins 3 sur 4. Donc, notre point A de coordonnées, l'exponentielle 3 sur 2, moins 3 sur 4, est un point d'inflexion. Alors, dans cette question-là, on veut montrer que grand F est une primitive de la fonction petit f, sur intervalle 0 plus l'infini. Alors, dire qu'une fonction est primitive, si elle vérifie que le grand f, c'est une fonction qui est dérivable, et sa dérivée, ce n'est rien d'autre que petit f de x. Donc notre grand f, c'est une primitive de f, si grand f est une fonction dérivable, et telle que le calcul de sa dérivée est égal à petit f. Alors on a l'expression de grand f. Donc grand f, c'est, comme vous le voyez, c'est une fonction qui est dérivable. Alors, en calculant sa dérivée, on va aboutir à petit f. Donc, avant, on va faire un petit calcul, une petite simplification sur la fonction grand f de x. On remarque ici qu'on peut factoriser par le x. Alors, on obtient grand f de x, on a donc que x facteur de moins ln de x au carré plus 3 ln de x moins 3. Calculons maintenant sa dérivée en utilisant la dérivée du produit. On trouve le résultat. Comme vous le voyez ici. Alors, chaque fonction va calculer sa dérivée. Moins ln de x au carré, en appliquant la dérivée de la puissance. Donc c'est ln de x prime, fois ln de x à la puissance de moins 1. Donc je vous laisse le soin de lire. Et puis finalement,
on trouve notre résultat que la fonction f, c'est une fonction primitive de petit f de x. Alors maintenant, d'après la courbe CF, alors on va déterminer les variations de la fonction grand F sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, pour déterminer les variations d'une fonction, alors on sait qu'on doit étudier le signe de sa fonction dérivée. Alors pour cela, on a la fonction grand F, c'est la fonction primitive de la fonction petit f, donc f prime, pardon, donc grand f prime, ce n'est rien d'autre que petit f. Donc la fonction dérivée de grand f, c'est la fonction petit f. Alors, nous allons déterminer le signe de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, graphiquement, donc si la fonction se trouve en-dessus de l'axe des abscisses, alors la fonction, elle est négative. Donc notre cas, la fonction, elle est de 0 jusqu'à 1 et puis de E jusqu'à plus l'infini. Donc comme vous le remarquez ici, on a deux parties. La première partie de 0 jusqu'à 1 et la deuxième partie de E jusqu'à plus l'infini. Alors dans ce cas-là, on a la fonction, elle est négative. De même, si la fonction se trouve en-dessus de l'axe des abscisses, alors la fonction elle est positive. Donc la partie de A jusqu'à E. Alors on dit que sur A, E, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc f de x elle est positive. Alors maintenant on a pu déterminer le signe de la fonction petit f de x, alors on peut déterminer les variations de la fonction grand f. Donc puisque f de x est négatif, alors grand f elle est décroissante. Et sur l'intervalle A1, on a f de x est supérieur à 0. Donc la fonction f, elle est croissante. Donc on a pu déterminer les variations de la fonction grand f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors maintenant, on nous demande de calculer l'aire de la partie assurée. Donc cette partie-là qui se trouve entre l'axe des abscisses et la courbe CF, elle est de droite x égale à 1 et x égale à E. Cela en unité d'air. Donc on sait que l'air, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de la valeur absolue de la fonction f de x dx par unité d'air. Alors, on sait que sur l'intervalle 1e, on a la fonction, elle est positive, d'où l'intégrale. Donc, on peut remplacer la valeur absolue de f de x par f de x. Alors, pour le calcul de l'intégrale de 1e de la fonction f de x, alors, ce n'est rien d'autre que sa fonction primitive grand f de x. D'où, on trouve que c'est l'image de e par grand f moins f de 1. Par calcul, on trouve que c'est égal à moins e moins moins 3. Ce n'est rien d'autre que 3 moins e. Alors, on peut dire que l'aire de la surface assurée est égal à 3 moins e unité d'air. Alors, comme vous venez de le voir, on a traité l'exercice numéro 3 de l'épreuve nationale 2019, session à l'attrapage. Je vous tiens rendez-vous pour une autre correction d'un autre exercice de notre épreuve. Merci. D'ici là, bon courage.